voilà, en plein développement ou accompagnateur de ce mouvement, merci d'accueillir pour cette table ronde Morgane Emery, responsable communication et marketing de Mon Petit Voisinage. Une plateforme. Venez, rejoignez-nous. Une plateforme dont les fondateurs sont des Nantais. On avait les copains d'avant. Désormais, il faut compter sur ses voisins d'aujourd'hui. Prêt de matériel, échange de services, don d'objets. Je lui prête ma perceuse. Il me donne des cours de gestion de comptabilité. Bref, on redécouvre ses voisins et l'intérêt d'en avoir une maxi-proximité dans un web que l'on dit si déshumanisé. Accueillons François Jégard, commissaire aux comptes, membre de la commission association CNCC et qui s'intéresse de près à cette nouvelle économie comme clientèle mais aussi comme modèle. Il nous expliquera comment il voit l'évolution de ce métier de commissaire aux comptes dans cette nouvelle économie. On parlera du miel également avec lui et des abeilles. Hervé Bachelot-Lallier, directeur des expertises et ingénierie, Banque Populaire Atlantique, qu'on accueille. Il suit de près tout le montage au financement sur mesure, la Banque Populaire, première banque collaborative qui a développé une activité d'amorçage avec sa plateforme de crowdfunding Proximea. Et une plateforme d'ailleurs bien utile pour Thibaut Jarousse, qu'on accueille. Thibaut Jarousse, l'un des fondateurs de Divin, qui se définit comme le premier sommelier au monde. Premier sommelier au monde connecté. Voilà, connecté. Une jeune pousse nantaise. Voilà, vous avez eu le temps de chercher vos affaires dans la voiture ? Impeccable, voilà. À la manière donc, des petites capsules décapées, grâce à la plateforme, Divin propose des coffrets de verre au vin. Reçus par la poste, ils sont à déguster à bonne température grâce à la machine à vin inventée, la Divine, ou la Divine, la Divarine, voilà. Déjà deux levées de fonds, 500 machines vendues, 20 emplois, plusieurs milliers de clients, 15 000 fans sur Facebook et un prix CES Las Vegas. Et il va nous expliquer comment on réussit aujourd'hui dans cette nouvelle économie qui allie plaisir et partage. Voilà, bonjour à tous. Antonin nous a donné quelque part des grandes lignes de l'économie collaborative. En quelques mots, avant de revenir sur vos expertises les uns les autres, qu'est-ce qui, selon vous, et votre activité, caractérise le mieux ce modèle en expansion? On va commencer avec vous, Morgane Emery, donc de Mon Petit Voisinage. S'il y avait un ou deux éléments clés qui, selon vous, apparaissent déterminants dans ce qu'est aujourd'hui l'économie collaborative, ce serait quoi? Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui... Enfin, il n'y a pas de définition, il n'y en a plus. Ouais. C'est fini. C'est fini. On ne peut pas comparer Blablacar à Mon Petit Voisinage. On ne peut pas comparer Stouty même à Mon Petit Voisinage alors qu'on est si proche. Moi, je n'ai aucune définition à vous donner. Bon, d'accord. Bon, ça sera déjà le début des échanges. À vos côtés... on va passer la parole à Hervé Bachelot-Lallier, directeur des expertises Ingénierie Banque Populaire Atlantique. Vous, quelle est un petit peu votre définition, votre vision un peu de ce que c'est que l'économie collaborative quand vous devez l'expliquer à vos enfants? Alors, à mes enfants, déjà, ils fonctionnent assez différemment de moi, pourtant je ne suis pas si vieux que ça. C'est peut-être eux qui vous expliquent ce que c'est. Oui. Non, je dirais que l'économie collaborative, je pense qu'il faut la rapprocher aussi beaucoup de l'expérience client. Alors, je vais le rapprocher un peu de mon, votre métier. De mon métier. Mmh. On est dans un monde et on voit bien les jeunes générations ont une enfin je suis pas très vieux mais les jeunes générations ont un fonctionnement assez différent. Il y a quoi, il y a 10 ans d'écart Ça doit être ça. Il y a un fonctionnement assez différent dans l'appréhension du travail, dans l'appréhension de la manière dont on vit les choses. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui on peut plus se contenter finalement de ce que l'on a. On veut vivre vraiment quelque chose. J'ai envie de dire, on veut un peu avoir le sourire au quotidien et on veut vivre une expérience différente au quotidien. Donc nous, dans nos métiers qui sont un peu établis, et je pense que le métier de commissariat aux comptes en fait aussi un peu partie, on est dans des métiers dans lesquels il n'y a pas beaucoup de croissance, je ne sais pas si vous avez de la croissance aujourd'hui, mais nous, dans le monde de la banque, on n'en a plus. Donc il faut s'inventer, il faut trouver des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux modes de relations clients, et l'économie collaborative en fait partie. En fait partie. Voilà, et en plus, bon, en ce qui concerne Banque Populaire, on est quand même une banque qui a été créée par des entrepreneurs à l'origine, qui est quand même... Il y a déjà un ADN de collaboration. D'accord. François Jégard, commissaire aux comptes, quelle est un petit peu vous, votre approche, votre présentation, telle que vous la ferez en quelques lignes de l'économie collaborative? D'abord, bravo pour la présentation d'introduction, parce que tout ce que j'avais préparé à dire a été dit, donc c'est parfait, j'ai rien à rajouter. Vous voulez partir ? Non, pas tout de suite, juste pour dire qu'il y a quelques années, appeler les membres de son personnel des collaborateurs, ça commençait à devenir ringard. Or, je crois que
pour l'économie collaborative, des cabinets qui ont des collaborateurs, c'est pas si ringard que ça. Ouais. Il faut encore on que... On fait toujours, d'ailleurs, les cabinets. Oui, 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 mais on a encore... On parle de nos collaborateurs dans les cabinets, et il y a quelques années, ça commençait à coincer un peu, dire vous n'avez pas d'autres titres, d'autres noms à donner. Bon, ça, c'est juste une question linguistique. Derrière, c'est quand même un changement très colossal qui nous est imposé par le mode de relation, notamment, on l'a dit un peu tout à l'heure, en matière de gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a des procédures établies et que l'on ne laisse pas nos jeunes collaborateurs prendre le pouvoir, comme ça a été dit tout à l'heure, et tout simplement inventer un certain nombre de nouvelles méthodes de travail, eh bien, on n'y arrivera pas. Or, on est un peu bloqué parce qu'on a des normes, on a des modes d'application, on a des process très structurés. C'est un travail très sérieux, quand même. Voilà, c'est un travail très, très sérieux. Or, en fait, quand vous écoutez, on en a parlé hier soir, Steve Jobs, qui dit un truc qui est quand même assez intéressant pour nous, qui est lorsque vous employez quelqu'un d'intelligent, si c'est pour lui dire ce qu'il a à faire, vous vous plantez. C'est lui qui doit vous expliquer comment il va faire. Mais par contre, vous, vous allez lui donner l'objectif. Et donc, si aujourd'hui, on arrive dans nos cabinets à dire « voilà ce que l'on veut être demain, voilà comment on veut être une personne importante dans un circuit économique nouveau, comment vous allez faire pour transformer notre cabinet, le mettre notre cabinet en mode start-up ?» Ça, ça change considérablement notre manière de voir l'organisation qui existe aujourd'hui dans le cabinet. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais c'est probablement une transformation de nos organisations pour laquelle on n'est pas encore tout à fait prêt et pour laquelle il faut qu'on mette un booster énorme si on veut conquérir de nouveaux marchés. Usuellement, on dit qu'on n'est pas des chercheurs d'or, c'est nos clients qui sont les chercheurs d'or. Et nous, on leur vend les pioches, ouais, et les brouettes et les pelles. On est vendeur de pelles et de pioches pour les chercheurs d'or. C'est mais aujourd'hui, voilà, exactement. Mais aujourd'hui, dans ce monde-là, pioche et quelle pelle on va leur vendre. Et c'est tout le mécanisme. On dit on est des acteurs de confiance, mais on est des acteurs de confiance pas dans le monde d'hier, dans le monde d'aujourd'hui. Donc il y a tout un travail pédagogique que vous avez fait sur la première partie de la conférence qui est excessivement important pour que les uns et les autres se mettent au diapason pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que collaboratif, est-ce que c'est différent que coopératif, est-ce que c'est différent que social et solidaire, est-ce que c'est différent que tous les termes que vous avez pu présenter. Et donc, il y a une partie pédagogique que vous avez fait en première partie qui est très importante. Maintenant, nous, il faut qu'on intériorise tout ça, qu'on regarde assez humblement nos organisations et on dise qu'est-ce qu'on arrive à changer, parce que demain, nos collaborateurs n'accepteront plus les modes de fonctionnement qui ont été ceux de nos cabinets pendant de nombreuses années. Et c'est ça que nous avons à réinventer. Thibaut Jarousse, vous êtes non pas le Steve Jobs du vin, bientôt peut-être, c'est ce qu'on espère pour vous en tout cas. Quelques mots justement sur, pour vous, ce que c'est que l'économie collaborative, même si on peut dire que quelque part votre plateforme en tant que telle n'est pas de l'économie collaborative comme mon petit voisin, on va le voir dans quelques instants. Quoi. Alors on a une vision... C'est marchand. On a une vision assez claire en fait du collaboratif chez Divin. J'ai deux exemples très concrets. Je pense que la première définition, c'est finalement la communauté, les résultats, les bénéfices de l'entreprise Divin. Elle bénéficie à sa communauté la plus proche. C'est-à-dire que la communauté bénéficie finalement des résultats de deux manières, deux exemples très concrets. On a 110 actionnaires dans la holding de participation chez Divin. Et ces actionnaires, on les a trouvés comment ? C'était nos meilleurs clients, entre guillemets. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que ça permet finalement de créer une communauté qui veut changer le monde, comme nous. Et en se disant, finalement, si on les aide à changer le monde, et si ça marche, on aura une petite partie, une petite... On aura participé quelque part. Exactement. Et puis, monétairement parlant, on aura aussi partagé... Bah, normalement, c'est l'actionnariat. C'est le principe de l'actionnaire. L'actionnaire, normalement, s'il met de l'argent dans un projet ou dans un produit, c'est... Enfin, peut-être que ça a été dévoyé après, j'en sais rien. Mais c'est vraiment le principe de base. Et il y a ce côté, voilà. Mais c'est des gens comme tout le monde qui ont participé dans le bien. À partir de 2000 euros, on pouvait devenir actionnaire. De combien ? À partir de 2000 euros. 2000 euros, d'accord. Ce qui est une somme en même temps, ce qui n'est pas si important que ça. Et ça, c'est important. Et on l'a fait deux fois. Je reviendrai dessus. Cette année, en fait, on avait beaucoup de propositions de financeurs, de family office, de VC et autres. Et on a finalement
choisi de dire non à une partie des investisseurs pour dire on va relaisser une partie du capital pour nos clients. D'accord. Ça, c'était important. Et le deuxième point, en fait, du collaboratif, c'est que la meilleure manière pour nous de sélectionner le vin, on a un peu le fournisseur pour les chercheurs d'or de vin, on va dire ça comme ça. Non, il y a vraiment ce côté collaboratif dans la sélection où notre premier input, les premières informations qu'on a pour trouver les meilleurs vins, viennent de nos clients et de notre communauté sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ça qu'on identifie les producteurs qui seront référencés au catalogue demain. D'accord. En gros, vous vous épargnez le coût d'une enquête, d'un sondage, vous passez à côté de tout ça et vous avez directement l'info qui remonte via Facebook. C'est ça. Et le bénéfice pour la communauté de nous aider, c'est qu'on va sélectionner des vins qui volent. Mm-hmm. Donc, c'est... voilà, après, c'est notre vision des choses. On n'est pas une entreprise collaborative au sens premier, on n'est pas une plateforme, mais on a toujours eu ça dans notre ADN, parce que quand vous lancez une start-up en B2C, sur de l'industriel, à l'international, c'est des aventures hyper capitalistiques, c'est plus risqué que pas mal de modèles, et donc il faut une certaine conviction, et il faut des gens un peu passionnés, et la communauté est là pour ça. Alors on va revenir sur le modèle, sur la façon dont les choses se sont déroulées dans la construction de ce projet, notamment sur la fameuse design. On va revenir avec vous, bon, regardez Emery, on a toujours besoin de son voisin, c'est finalement le web qui nous le dit, et mon petit voisinage, c'est le bébé de David Rouxel, qui a fait une carrière à l'international, et qui a souhaité revenir aux sources, et il a jeté donc les bases un peu de cette plateforme qui est devenue depuis mon petit voisinage. Est-ce que c'est un petit peu cela, comment, de cette façon-là que les choses se sont développées? Facebook nous a vendu des amis. Et aujourd'hui, vous nous vendez des voisins? Non, hein, on ne vend pas des voisins. C'est ça quand même. Quand je frappe, j'ai des voisins. Comme Facebook, j'ai des amis, non? Nous, on est un outil qu'on met dans les mains des gens. C'est un peu la logique de l'open source, plus ou moins, dont on parlait en Antonin tout à l'heure. Uh-huh. C'est-à-dire qu'on a un outil qu'on met dans les mains des gens, qui est totalement gratuit pour eux, parce qu'on essaye de trouver d'autres façons de financer cet outil, qui va leur permettre de s'organiser pour mutualiser un maximum de choses. C'est tout ce que l'on fait. Donc, on leur permet de s'organiser pour partager un objet, un service, un trajet, un achat. C'est Internet, ça. Le Bon Coin, Blablacar, et ainsi de suite. Vous remettez tout ça sur une même plateforme. L'idée, oui, c'est de rassembler un maximum de services et d'outils utiles en un même endroit, parce qu'aujourd'hui, l'économie du partage, il y a 1000 startups qui se lancent chaque jour. C'est foisonnant, c'est fragmenté. Nous, la promesse que l'on fait aux gens, c'est voilà. Sur mon petit voisinage, en un endroit, vous trouvez à peu près tout ce dont vous avez besoin pour vous entraider, faire évoluer votre mode de vie vers plus de solidarité, avec un plus grand ancrage local, parce que c'est une dimension très importante aussi de mon petit voisinage, où on va faciliter l'accès à une consommation locale, à vos commerces de proximité, à vos producteurs locaux, aux ruches kiwi, aux AMAP, tout ça est dans mon petit voisinage aussi. Donc, voilà, on est vraiment un outil qui facilite le lien et la relation entre des personnes qui sont, on va dire, de proximité, quoi. Voilà. Et la belle idée finalement de tout ça, c'est que, encore une fois, j'en reviens à Facebook qui a développé l'idée des amis. Vous avez développé l'idée, enfin, sans que ce soit péjoratif, des voisins. Alors peut-être bientôt on aura les copains, enfin, il y a déjà les copains d'avant, il y aura peut-être des copains d'après. Pourquoi pas bientôt la plateforme des cousins, enfin, et ainsi de suite. On va développer chacun des plateformes avec des concepts comme ça, puis on va y mettre dedans la voiture, et ainsi de suite, non? Le voisin est un prétexte. Finalement, c'est plus ça notre finalité aujourd'hui. Notre mission, elle est beaucoup plus large. Elle est vraiment de faciliter l'acte de partage hyper local et de donner des outils pour ça. Donc, voilà, le voisin, c'est un prétexte. C'est pas le fond du sujet. Nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'accompagner justement ces nouveaux usages, de faire de la pédagogie. C'est pas évident. De passer à ces nouveaux usages-là, ça implique beaucoup de choses et ça prend du temps et c'est lent et c'est assez passionnant aussi.
Qu'est-ce qui fait qu'on s'abonne, enfin, qu'on rentre, qu'on adhère à Mon Petit Voyage, qu'on rentre dessus? C'est parce qu'on a un besoin précis et qu'on se dit peut-être là, je vais avoir la réponse, la solution? Ou est-ce que c'est un désir plus large de dire, tiens, je vais avoir des voisins et puis un jour peut-être j'aurai besoin d'eux pour ma fameuse perceuse ou mes cours de gestion? Je pense qu'on rentre pas sur un besoin spécifique. Je pense qu'on rentre beaucoup parce qu'on adhère à un ensemble de valeurs, ouais. À un esprit, à un ras-le-bol. Je ne veux plus vivre comme ça. Je veux être plus ancrée, redécouvrir ce qui se passe autour de moi. J'ai plus besoin d'avoir 3000 amis sur Facebook qui m'enverront des messages, mais finalement je peux aller voir mon boulanger et avoir des projets avec lui, animer un jardin partagé avec les gens d'à côté, des boulangers ici, des boulangeries qui lancent des projets avec les gens du quartier pour que ce soit les habitants qui choisissent les desserts qu'ils veulent, les pâtisseries, d'accord, qu'ils veulent pouvoir acheter. C'est tout bête, hein, c'est des petites choses, voilà. Mais qui mettent un peu plus de lien et un peu plus de sens aussi dans la vie d'un boulanger. Mm-hmm. Antonin, vous voulez y réagir ou apporter un... Je pense qu'un des moteurs aussi pour ce type de service, c'est que les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. Il y a beaucoup d'études qui montrent que il y a, je ne sais plus quel pourcentage de la population française qui a une dizaine d'interactions avec des gens à l'année. C'est-à-dire qu'il y a une détresse émotionnelle de la part d'une grande partie, qui n'est vraiment pas une partie négligeable de la population, et c'est presque un problème de santé publique. Et au-delà de ces gens qui sont vraiment dans une détresse émotionnelle, il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls au quotidien. En même temps, donc, on n'a jamais vu autant d'associations. Mais quand on dit le numérique, ça nous écarte les uns des autres. Voilà un exemple de projets qui utilisent le numérique justement au contraire pour rapprocher les gens et pour leur permettre de sentir moins seuls et d'être plus proches au quotidien. Morgane. Oui, parce que nous, la finalité d'une action, si je vais publier quelque chose sur une petite annonce sur Mon Petit Voisinage, la finalité, c'est bien de se rencontrer dans la vraie vie. Et si à un moment donné, il n'y a pas la rencontre dans la vraie vie, l'outil n'a pas de sens. D'accord. Alors, Thibaut Jaros, vous êtes sur une plateforme avant tout à vocation commerciale. Et là aussi, qu'est-ce qui déclenche l'envie d'entrer dans la communauté? C'est un petit flacon de verre de vin? Ou est-ce que c'est l'envie de partager des plaisirs liés à l'alcool? Qu'est-ce qui amène Alors, en fait, moi, je suis primo-entrepreneur, donc Divin, c'est la première entreprise que je crée. Et au départ, je me suis mis sur Facebook pour créer Divin. Et je me disais, pour avoir des fans sur Facebook, faut avoir des clients, et les meilleurs clients seront fans. Et puis au bout d'un an, je me suis... Fan de quoi au départ ? Fan de vin. Et quand j'ai vu qu'on avait 1000 clients et puis 10 000 fans sur Facebook, je me suis dit, en fait, ça marche à l'envers. C'est-à-dire que c'est un peu la communauté dans le sens de Divin, mais de plein d'autres entreprises. C'est que les gens deviennent d'abord fans de l'aventure. Alors, il y a plein de choses. Il y a l'aventure entrepreneuriale, il y a le fait que vous retournez la table dans une industrie ou dans un monde, dans le domaine du vin, qui est assez établi. Et donc, les gens sont curieux de ça. Alors, ils vont participer à des animations, ils vont tester la Divine, ils vont avoir un verre de vin ou... Un ami va leur en parler, ils vont le dire dans la presse, ils vont aller sur la page Facebook ou sur le site, ils vont s'inscrire, ils vont devenir fans, et ils ne sont pas encore clients. Donc il y a un vrai, finalement, on s'est aperçu, il y a un vrai cheminement entre le moment où je m'intéresse à l'entreprise, je regarde ce qu'ils font, je suis supporter de ce qu'on fait, sans peut-être pouvoir avoir soit le pouvoir d'achat, soit la volonté de le faire. Il y a des gens qui trouvent que ce qu'on fait, c'est génial et qui ne boivent pas de vin. Ouais. Ce qui paraît un peu ubuesque, mais ils nous disent « Ouais, finalement, ce que vous faites, c'est quand même bien parce que c'est des producteurs locaux, c'est made in France. Et puis, voilà, vous défendez... » Donc là, vous partagez des valeurs, quoi. Ouais, on partage des valeurs, c'est exactement ça. D'accord. Et donc, ce côté convivialité, et c'est pas pour autant qu'ils deviendront clients. Et vous l'avez souligné, nous, on est une entreprise avec un but commercial aussi, donc il faut payer des salaires à la fin du mois, il faut financer le développement, l'international. Mais c'est très vrai qu'avant d'avoir des clients,
Il faut d'abord avoir une communauté, et c'est encore plus vrai quand vous essayez de changer un monde et des modes un peu établis. Ah, j'ai le sentiment que dans le monde des startups, il faut d'abord surtout avoir un garage pour commencer, puisque tout le monde débute toujours dans des garages. Et c'est le cas notamment de trois copains, c'est ça, qui ont une passion et puis qui vont dans un garage commencer à... C'est ça l'histoire ? C'est ça, alors moi je suis passionné. Ah ouais, j'ai travaillé 8 ans chez Yves Rocher avant, donc rien à voir dans la cosmétique. Et puis, j'avais besoin d'avoir une affinité avec le produit. Hein. J'avoue qu'avec le mascara, c'était un peu plus compliqué. J'ai adoré mon passage chez Yves Rocher, hein, mais j'avais envie de créer cette entreprise, et quitte à se lever tous les matins en se disant faut y aller, c'est dur, on va travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, autant le faire pour un produit dont on a la passion. Et donc Louis, un ami d'enfance, Jérôme, un collègue chez Yves Rocher, en 2010 on se met autour de la table. Et avec cette passion du vin, en se disant, mais c'est dingue, il y a plein de choses qui se font à la maison pour avoir la même qualité qu'au restaurant, le service à l'unité. Parce que les gens, en fait, veulent être acteurs de leur consommation, acteurs de leur choix. Il y a plein de choses qui se font dans le café, dans les sodas, dans la bière. Et là où c'est très compliqué et où ça coûte cher dans le vin, il n'y a rien. Ce serait quand même dommage que ce ne soit pas des Français qui s'y mettent. Et on s'est dit, pourquoi pas nous ? Donc on a commencé à faire ça en forfait un peu soirée week-end entre 2010 et 2012, avec cette idée que on allait garder notre emploi de cadre au chaud dans des grandes structures, c'était chez Airbus, et on allait lancer notre boîte comme ça le soir et le week-end, et quand on pourrait se payer un salaire, on démissionnerait. Sauf que dans la vraie vie, vos clients, vos fournisseurs ne travaillent pas le soir et le week-end. Donc à un moment donné, quand on avait fait toutes les études de marché du monde et qu'on avait commencé à faire des protos, on a quitté nos jobs respectifs. Donc moi en premier fin 2012. Et en 3 mois, on a appris plus en 3 ans. Quand on a commencé à vendre vraiment les produits, à les mettre dans les mains des clients, un peu la méthode Lean Startup, d'échouer vite, de rapidement comprendre ce qui marche. Comment est né le fait de se dire on va plutôt vendre du verre au vin plutôt que la bouteille comme ça se fait traditionnellement ? C'est parce que justement ça n'existait pas ou... Parce qu'il y avait des indicateurs très forts qui montraient qu'il y avait une appétence. 2/3 de la consommation au restaurant, c'était du vin au verre. Et plus forcément pour des raisons de perte de points sur le permis de conduire, mais vraiment pour ce côté, je suis acteur de ma consommation et si je peux m'offrir une bouteille de Pétrus un jour en payant mon verre 50 euros plutôt que d'acheter une bouteille à 300 ou 400, il y a des gens qui étaient prêts à faire ce choix et à se dire tiens, ce serait génial si je pouvais le faire à la maison et célébrer des choses. Et donc, y avait vraiment cet insight qui était fort, où les gens nous disaient on est prêt à le faire, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai biais dans les études de marché. Quand vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur, vous dites que vous allez changer le monde, il y a 99% des gens qui vous disent qu'ils vont acheter votre produit. Et quand vous le mettez sur le marché, il y a 1% des gens qui l'achètent. Ça paraît bête, mais c'est la réalité. Et donc, heureusement qu'on a démarré quand même au bout de 3 ans, est-ce qu'on s'est aperçu de ça, et ça nous a permis de corriger le tir, de comprendre ce que les gens voulaient. Quand ils disaient qu'ils trouvaient ça génial, finalement, de comprendre quels étaient les clients qui allaient vraiment passer le cap et quels étaient les gens qui trouvaient ça génial et qui resteraient dans la communauté et qui passeraient le cap un jour, une fois que 50% du marché serait conquis. Donc, c'est vraiment ce travail itératif qui a été intéressant au départ. Alors, vous avez pu ainsi développer cette fameuse machine qu'on a pu voir juste en quelques images tout à l'heure, la fameuse Divine, et vous avez pu notamment la développer grâce à des leviers, grâce à de l'amorçage financier, notamment avec la plateforme Proximea. Hervé Bachelier, donc vous êtes à la Banque Populaire Atlantique, vous avez permis à cette start-up de recueillir donc des moyens nécessaires afin de se lancer. La plateforme de crowdfunding Proximea, c'est un des engagements de la Banque Populaire dans justement cette économie collaborative. Et avant de nous expliquer un peu l'état d'esprit qui anime votre établissement face à cela, quelques mots sur ce prêt. Pourquoi eux, pourquoi pas d'autres? Je crois qu'il y a eu trois crowdfunding qui ont été mis en place. On est effectivement une jeune plateforme qui a un peu plus d'un an maintenant. On a fait 4 opérations sur la plateforme. 4 opérations, alors pourquoi eux? Alors pourquoi eux? Alors ça a été les premiers d'ailleurs à être sur la plateforme. Pourquoi eux? Parce que vous l'avez entendu, je pense que Thibault
Il vaut mieux son affaire. Ouais. Voilà. Et ouais. Il a, enfin, je veux dire, c'est un, et je le dis honnêtement, c'est un sacré bonhomme. Non, on avait en face de nous une équipe. On est sur des projets en amorçage. Hein. Donc, ce qui compte souvent sur ces projets-là, c'est quand même l'homme. Et on avait en face de nous une équipe qui était, voilà, qui avait un vrai projet, qui avait déjà mûri le projet depuis longtemps, qui l'avait déjà testé dans le marché. C'était fait nulle part. Pardon ? Ça ne s'était fait nulle part. Ce produit-là ? Oui. Non, bien sûr. Mais non, c'était un produit vraiment innovant. Ah. Mais on avait aussi en face de nous, voilà, une équipe de fondateurs, de créateurs qui avaient bien structuré leur projet. Et donc voilà, ça nous a semblé naturel de les mettre, je dirais, sur la plateforme pour lever des fonds. Alors pour vous titiller un peu, pourquoi finalement aller sur la plateforme dédiée au crowdfunding Proximea et pourquoi pas directement aller frapper à la porte du banquier Banque Populaire pour demander une levée d'argent ou du prêt, puisqu'à la limite le banquier est là normalement aussi pour aider les entreprises. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait les deux en fait. Non, aujourd'hui on a trois partenaires bancaires, donc la Banque Populaire, hein, qui est un partenaire de longue date, la BNP et le CIC. Et si on n'avait pas fait appel à du levier bancaire, aujourd'hui on aurait entre 20 et 30% de capital en moins. Donc je tiens à souligner ça parce que souvent on dit que les banquiers font pas leur boulot, c'est pas vrai. Ils prennent le même risque, alors pas au même montant que les investisseurs, mais ils sont rémunérés 10 fois moins. Voilà, on parle de 30% de TRI versus 3% de taux d'intérêt annuel. Les emprunts, en fait, le banquier, il peut vous suivre quand vous avez des capitaux propres. Quand il y a des investisseurs qui mettent de l'argent dans l'entreprise et qu'il n'y ait pas de la dette qui sera remboursée après, donc c'est pas la même mécanique. Donc en fait, c'est la poule et l'œuf, c'est que pour aller voir la Banque Populaire, il faut d'abord avoir des investisseurs. Donc il y a quand même une séquence. Et ce que vous disiez, on a fait trois campagnes de crowdfunding. Mm-hmm. On en a fait une d'abord en précommande sur Ulule, qui est une autre plateforme. Et on a réussi à rassembler à peu près 40 000 euros en 4 semaines. Parce que c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, c'est montrez-moi que les gens sont prêts à faire un chèque. Ok, 99% des gens sont prêts à l'acheter, mais qui vous a fait un chèque ? On a dit, c'est une bonne question. On va la mettre en précommande et on verra bien. Et donc, on en a vendu pour 40 000 euros en quelques semaines. Et là, il y a des investisseurs qui nous ont dit, en même temps, on vient de la précommander, mais en même temps, si vous ouvrez le capital, on veut bien devenir client. Et alors, c'est là que on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de l'equity crowdfunding ? Après, en fait, on a eu deux options. C'était soit la plateforme, une plateforme locale hein, qui a une caution finalement forte d'une banque, soit une plateforme nationale ou internationale comme un WeSeed hein, par exemple. Et c'est un peu l'arbitrage sur lequel on s'est penché. Nous, ce qui nous a fait vraiment pencher d'un côté ou de l'autre, c'est le fait de travailler avec une petite équipe expérimentée. Ça nous a pas mal rassurés parce que on s'est rendu compte qu'il valait mieux être un client considéré dans une équipe qui s'est structurée, expérimentée, que chez un grand compte où on ne représente rien. Et donc c'est le choix qu'on a fait et honnêtement on est content de l'avoir fait comme ça. Alors justement au niveau de la Banque Populaire, pour rester avec vous Hervé, comment peut-on aujourd'hui définir un peu l'état d'esprit de la Banque Populaire par rapport à cette économie collaborative? C'est quoi? C'est de la méfiance, de la curiosité, de l'opportunité, voire de l'opportunisme? Comment vous voyez les choses? Non, pour nous, c'est vraiment. Enfin, il y a différents. Je pense qu'il y a différentes logiques dans cette économie collaborative. C'est déjà un relais de croissance pour nous. Je te disais tout à l'heure en préambule, on est dans une économie mature et aujourd'hui, on a en plus, sans rentrer dans le détail, une structure de taux qui tape un peu quand même les bilans des banques. Donc, on a des vrais relais de croissance à trouver. Je pense que vous devez certainement aussi vous poser dans vos métiers ces problématiques-là. Donc l'économie collaborative, c'est pas qu'un effet de mode pour nous, c'est quelque chose qui est un vrai relais de croissance. C'est aussi, et on l'a découvert un peu après, c'est aussi en interne un moteur assez formidable au niveau des collaborateurs de la banque, parce qu'il y a beaucoup d'effets, d'effets identitaires. Et la plateforme, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler. Ils sont beaucoup intéressés et ça crée de la dynamique interne.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal peut-être à palper, mais toute cette économie collaborative crée de la dynamique. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette expérience client, c'est l'expérience qu'ont aussi les collaborateurs de la banque au quotidien. Ils ont des outils, et c'est vrai qu'on est une banque régionale qui est plutôt assez innovante dans ses projets. Hein, au niveau du groupe Banque Populaire, on est souvent cité un peu comme celle qui est la plus innovante, parce qu'effectivement, on crée un peu des produits nouveaux, on essaie de créer des expériences nouvelles. Et ça booste pas mal les collaborateurs. Et dans un marché qui est assez mature, où il n'y a pas beaucoup de croissance, c'est important aussi de créer cette dynamique-là. Pourquoi est-ce que tout ce monde émerge? C'est aussi parce que dans des jeunes générations, ils ont envie de vivre de l'expérience et d'être dans des boîtes qui ont de la croissance. Mm-hmm. Je veux dire, quand on est dans des boîtes qui n'ont pas de croissance, c'est difficile d'avoir la banane tous les jours. Enfin, il faut être clair. Hein, c'est vraiment un modèle important pour nous. Qui apporte beaucoup tant en interne qu'en externe. C'est aussi pour nous, on est dans des métiers où le facteur de différenciation est difficile. Enfin, On parlait tout à l'heure. On est un peu comme les CAC. On a quand même une réglementation qui est assez pesante, mm-hmm. Qui continue à l'être de plus en plus. On a beaucoup de conformité. Mm-hmm. Ça doit être d'ailleurs les seuls services qui ont cru en termes d'effectifs au fil des dernières années. On en crève un peu parfois d'ailleurs, mais il faut apporter des produits nouveaux. Il faut avoir aussi une relation différente avec les clients, que les clients sentent une identité assez différente. Et la plateforme de crowdfunding en fait partie. On a à peu près, c'est assez jeune aujourd'hui, mais on a à peu près 10 000 contacts via la plateforme, qui sont d'ailleurs clients de la banque. Et qui sont partout en France, voire à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Encore une fois, on le regarde aussi beaucoup comme un laboratoire. On l'a géré en mode, même si je sais, parfois, on oppose souvent un peu les grands groupes aux startups, mais on l'a géré un peu en mode startup. C'est une petite équipe dédiée qui a choisi son expert comptable. Qui fait tout dans son coin sans avoir aucun recours au service commun de la banque, et c'est comme ça qu'on avance. Alors Morgane Emery, 85% des Français souhaitent développer leur relation avec leurs voisins, 100% des services proposés par mon petit voisinage créent du lien social, plus de 50 000 objets et services partagés. Au final, vous dites sur votre site qu'on peut se faire des économies. En gros, 500 euros par mois d'économies si on fait appel à tel ou tel service. Est-ce que vous, par contre, à défaut de faire des économies, vous gagnez un peu d'argent dans cette affaire? Et comment vous gagnez cet argent? Parce qu'a priori, ce n'est pas dans la transaction. Non, 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 tout est gratuit. Il n'y a pas de transactionnel sur le site. Aucune transaction. On n'est rien pas sur. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pub. On ne vend pas les data. Donc, on ne fait rien avec les data. Est-ce que vous ne voulez absolument pas, ça ne sera jamais le cas? Ou est-ce qu'un jour, peut-être, vous reviendrez dessus? Parce que, bon, il sera intéressant. On ne veut pas. On ne veut pas que ça devienne payant pour l'utilisateur. D'accord. Ce qu'on essaye de faire, après. Peut-être qu'on va rater, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver d'autres modèles, des modèles alternatifs pour financer tout ça. Il y a du monde quand même, vous êtes combien maintenant? On est 16. 16 à mon petit voisinage, donc il y a comme des salaires à la fin du mois, vous aussi? Oui. Ben, je pense. Oui, 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 tout à fait. Vous n'êtes pas dans un garage? Non, mais parmi les 16, par exemple, on a deux personnes qui sont arrivées mardi dernier, qui sont des salariés de la MAIF. Qui sont en détachement chez nous pendant 6 mois. Oui, la MAIF étant un partenaire. La MAIF étant notre investisseur, notre D'accord. partenaire financier. Donc c'est pas de la publicité, c'est un partenaire. On fait pas de pub avec la MAIF. C'est ce que expliquait. Bah, ils affichent quand même la MAIF dessus. Oui, mais c'est ce qu'expliquait Antonin tout à l'heure, c'est que la MAIF a lancé un fonds qui s'appelle MAIF Avenir et qui est dédié à l'économie collaborative. Dans ce fonds-là, ils investissent dans des start-up collaboratives et surtout ils travaillent avec elles parce que eux, c'est justement un moyen de, d'anticiper. C'est leur laboratoire pour retravailler sur qu'est-ce que sera l'assurance demain. Ils D'accord. utilisent des start-up qui font bouger les choses. Par exemple, ils travaillent avec Coolicar sur de l'autopartage et le fait d'assurer du partage d'objets, donc en l'occurrence une voiture sur une courte durée, c'est des choses qui vont devenir cruciales dans les
2-3 ans, enfin, c'est déjà presque crucial en fait. Oui, même prêter sa perceuse, il peut y avoir un risque. Voilà. Donc pour eux, c'est vital. C'est pas du partenariat publicitaire. D'accord. Ok, alors donc vous avez des soutiens, comme vous l'avez évoqué avec la Maïf et d'autres. Et alors, toujours pareil, votre modèle économique repose sur quoi? Sur qui paye à la fin du mois, mis à part des levées de fonds et des gens généreux? Alors, on a plusieurs piliers parce que voilà, on est encore dans la phase où on continue d'expérimenter des pistes et on se ferme aucune porte pour l'instant, si ce n'est celle de faire payer les particuliers. Ouais. On a trois choses. Nous, des partenariats avec des collectivités locales, parce qu'une mairie peut créer son compte sur Mon Petit Voisinage et accéder à tout un tas d'outils, des alertes en temps réel, des sondages quartier par quartier, etc. Et communiquer avec leurs habitants, avec leurs habitants sur Mon Petit Voisinage. Donc ça, c'est un premier modèle, c'est un abonnement. C'est un abonnement, la commune paye. Oui. D'accord. C'est combien? C'est par la taille. Ça dépend du nombre d'habitants. C'est voilà. Bon. Okay. Et donc, ça coûte combien? Quelques centaines d'euros par mois, c'est en fonction du nombre. Oui, j'ai compris, mais bon, en exemple, si on prend un exemple, une ville, 100 000 habitants, par exemple. J'ai pas les chiffres en tête, c'est pas ma partie. c'est jamais plus de quelques centaines d'euros. C'est quelques centaines, entre 200 et 500. D'accord. On nous des partenariats aussi avec des acteurs de l'habitat, parce qu'ils ont beaucoup de sujets à adresser. Les bailleurs sociaux, notamment, invitent leurs locataires à utiliser Mon Petit Voisinage pour faire des économies. Les bailleurs peuvent, en contrepartie, s'abonner aussi, interagir directement avec leurs locataires depuis Mon Petit Voisinage via un compte dédié à leur image, d'accord, etc. Donc ça aussi, c'est un abonnement. C'est un abonnement, d'accord. On travaille beaucoup avec d'autres acteurs de l'habitat, des constructeurs cette fois-ci, qui réfléchissent à des sujets comme l'habitat de demain. Par exemple, la chose à la mode en ce moment, c'est d'avoir dans les nouvelles résidences une chambre partagée qui sera mise à disposition de tous les habitants de la résidence. Et voilà, quand vous avez un ami qui vient, et ben, vous utilisez cette chambre. Ah. Vous savez où aller. Et ça a des enjeux de voilà, comment on s'organise, comment gérer cette chambre, qui a les clés, qui s'occupe du planning, etc. Ouais. Nous, l'outil que l'on a pourrait totalement être l'outil pour gérer ce genre de sujet. D'accord, donc vous avez mis en place en tout cas une organisation, une logistique pour un certain nombre d'organisations telles que les collectivités, les bailleurs sociaux, des constructeurs ou autres qui peuvent être intéressés par l'offre de services que vous avez. Mais à la limite, moi je suis habitant d'une collectivité ou d'un office HLM, je peux être moi-même tout seul, sans avoir à payer, adhérent de Mon Petit Voisinage. Ah oui, bien sûr. Et j'aurai les mêmes services que si je passe par le bailleur. D'accord. Et donc, il y a une offre supplémentaire, il y a une offre premium Non, c'est juste que le bailleur aura un compte à son image, des options dédiées, une interface pour gérer ses conversations multiples, d'accord, etc. Et des outils dédiés à sa relation avec ses locataires. D'accord, ok. C'est ceci qui est payé. Et la banque, elle existe dans votre univers un peu virtuel, en tout cas sur Internet, j'entends. La banque, à proprement parler, non, mais nous, on est un agrégateur de services de proximité. Donc typiquement, là, on est en train d'ajouter une brique autour du crowdfunding et du financement de projets locaux. L'idée, c'est que tout le monde puisse partager à ce qui se fait bien autour de chez lui. Et quoi de mieux que d'aider financièrement les projets de votre ville, de votre quartier. Donc on va agréger des plateformes collaboratives et surtout les propositions de financement collaboratif du quartier. François, vous êtes séduit par Mon Petit Voisinage? Vous avez envie d'être un voisin actif? Bah oui, j'ai déjà donné ma carte pour partager la chambre. Non, blague à part, je crois qu'il faut prendre ce qu'il nous est dit là sur la table ronde très très au sérieux. Parce qu'on rigole un peu de modalité, etc. Mais derrière, on a quand même des changements assez profonds.
Lorsque aujourd'hui on va dans un dîner en ville, on dit vous nous présentez votre cabinet, qu'est-ce que vous faites? On dit le nombre de collaborateurs, on dit on fait de l'expertise comptable, du commissaire aux comptes. On ne dit pas je suis tiers de confiance dans telle communauté de professionnels sur tel bassin géographique. Je pense que demain, on va s'acheminer vers ça. J'ai bien aimé la présentation de Taylor Thibault qui dit avant d'avoir des clients, on a eu des followers, on a eu des likers, enfin des gens qui nous appréciaient. Ouais. Et moi, j'ai un peu envie de nous demander collectivement, et je pose la question, mais je me mets aussi dans le destinataire de la question, c'est est-ce que l'on a aujourd'hui plus de gens qui nous apprécient que de clients qui sont chez nous? Donc ça veut dire que dans toute la logique de transformation de nos cabinets où on est en train d'essayer de devenir des hubs de services auprès des entrepreneurs, est-ce que l'on a intégré cette logique de communauté autour de nos cabinets? On fait les uns et les autres depuis une éternité de l'interprofessionnalité avec les avocats, avec les banquiers, avec les notaires. Comment on a donné une matérialité dans nos cabinets sur cette interprofessionnalité? Alors, je sais bien qu'il y a des sociétés d'exercice qui sont en train de se mettre en place avec les experts comptables, les commissaires aux comptes, etc. Mais au-delà de ça, au-delà des structures juridiques, est-ce que quotidiennement, dans la manière dont on travaille aujourd'hui, nos clients nous posent des questions immédiatement, une question juridique, on sait la traiter en interne ou pas, on sait les diriger vers un avocat, vers un notaire qui va connaître un peu le monde de l'entreprise, on va le diriger vers un banquier qui saura faire tel type de financement. Ça, on sait le faire, mais ça repose sur la personne, sur l'associé qui est en charge avec le dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a identifié le cabinet comme étant un hub de service? Alors, on commence très sérieusement à le faire sur l'expertise comptable. De plus en plus de confrères ont mis en place un certain nombre de choses qui s'organisent. Sur le commissariat aux comptes, pas encore. Parce qu'on est aussi un peu emprisonné par le fait que c'est une mission légale. C'est une mission légale, donc très organisée. Mais pourtant, au sein du commissariat aux comptes, qu'est-ce qui est légal? C'est la manière dont on délivre notre opinion, les normes qu'on applique, notre indépendance et la charte de déontologie qu'on applique. C'est ça qui fait la force de notre métier, et donc le service qu'on rend aux clients, mais ce n'est pas le texte réglementaire qui nous dit à partir de tel seuil, vous devez avoir un commissaire aux comptes. Bien sûr, ça nous protège aujourd'hui, bien sûr, on est très attentif à ça, bien sûr, on se battra pour que les seuils restent pour nous permettre de vivre, mais nous, pendant que ces seuils existent, il faut qu'on se prépare à bien faire en sorte que le client nous appelle, non pas parce qu'il y a un seuil, mais parce qu'il y a un vrai service. Et donc là, sur les témoignages que l'on nous fait, il y a vraiment là beaucoup de choses à s'inspirer, à travailler et à réfléchir pour dire comment on anime une communauté plutôt a priori d'entrepreneurs que de voisins. Mais chez mes voisins, il peut y avoir aussi des entrepreneurs pour lesquels on va pouvoir être tiers de confiance. Et tiers de confiance aujourd'hui sur les informations financières, mais demain aussi sur les informations non financières avec la même rigueur, la même force d'analyse qu'on utilise aujourd'hui sur l'information financière. Donc, même si on a quelques exemples entre le vin, le voisinage, etc., qui peuvent des fois nous prêter à sourire, et puis on peut trouver que c'est assez loin vis-à-vis de notre métier, en fait, c'est... On nous interroge aussi très clairement sur notre modèle économique et sur notre manière d'interagir vis-à-vis d'un environnement où nos propres collaborateurs, et nous-mêmes peut-être, utilisons au quotidien ces services. Et donc trouveront assez naturel que dans l'exercice professionnel, on fonctionne aussi comme cela. Et voir, nous dirons, mais votre truc, c'est trop ringard, votre organisation. Je m'y plais pas. Il n'y a pas de croissance, d'une part, ou je ne trouve pas un attrait particulier. Donc c'est à la fois un vrai challenge pour les collaborateurs que l'on veut associer à notre projet d'entreprise, notre projet de cabinet. Et c'est aussi un challenge fort pour faire en sorte que l'on ait une communauté de likers peut-être, qui seront demain des clients, en espérant qu'il n'y en ait pas simplement 1%. Mais peu importe, s'il faut pour avoir 3% ou 10% de plus de clients dans le cabinet, avoir 60 ou 70% de plus de likers, il faudra peut-être avoir des communautés managers, un certain nombre de métiers nouveaux dans nos cabinets, et pas simplement l'associé qui s'occupe de la communication, mais bien des professionnels. Donc ça veut dire que ça va avoir une répercussion très forte aussi sur nos organisations, la manière dont on est capable de fonctionner. Quand on est un cabinet de 10 personnes, quand on est un cabinet de 20 personnes, de 30 personnes, de 100 personnes, quelle collaboration on va faire? Est-ce que l'avenir, c'est de fusionner pour être dans un cabinet de 500, 800 ou 1000 personnes, ou est-ce que c'est de faire partie d'une collaboration,
d'une plateforme d'un réseau local, ouais. On pourra appeler ça un réseau et autres, mais ça fait tout de suite référence à des notions qu'on a et qu'il faut essayer de réintégrer dans les présentations et dans les exemples que l'on nous donne sur l'économie collaborative. Comment nos cabinets peuvent s'intégrer dans un processus d'économie collaborative au service du chef d'entreprise. Donc je trouve que tous les exemples qu'on nous donne sont vraiment assez importants pour nourrir en nous une réflexion sur la manière dont on fait évoluer nos organisations de cabinet. Alors pour poursuivre la petite histoire, ou la grande histoire, on dira bientôt la grande histoire de Divin, voilà, on l'espère, on croise des doigts, il y a tout d'abord cette Divine que vous avez inventée. Alors, il faut quand même préciser, donc on reçoit des flacons, suite à avoir commandé. Donc vous avez une trentaine de références. 35, et 35. Donc on augmente justement avec la communauté tous les mois le nombre de références. Voilà, donc un choix de vin assez large, ça va de 2,50€ je crois. 2 à 16 euros, ouais, c'est 16 ça euros. Pour du Bechevel qui est un grand cru classé Saint-Julien. D'accord, donc on choisit son... Bon, en tout cas ses flacons, on a des coffrets possibles et autres. Et une fois qu'on a le coffret... On est bien embêté parce qu'on ne peut pas les ouvrir comme ça. Et c'est là qu'il faut se dire, tiens, il y a une machine. Et la machine, il faut quand même l'acheter auparavant. C'est ça. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Au départ, en fait, la Divine, on a mis 5 ans à la développer. Donc, c'était un peu... Alors, il y a eu le garage pendant 3 ans. Après, on a fait l'incubateur de Dentsia. D'accord. Et puis, en passant par ma maison au départ, quand on est entrepreneur, ça commence souvent comme ça. Et donc... on a vendu au départ les flacons tout seul parce qu'on n'avait pas la machine, on n'avait pas encore l'argent pour la développer. Et ça nous a permis de tester et de montrer à des investisseurs qu'il y avait un vrai marché pour le vin au verre à la maison. D'accord. Donc les gens recevaient le petit, ils mettaient dans leur... Ouais, voilà. Alors, fallait le mettre au frais, fallait le mettre à température soi-même, fallait le carafer. Et ça nous, c'était qu'à moitié bien par rapport à ce qu'on voulait faire, mais faut pas être plus royaliste que le roi quand on est entrepreneur. Il faut aussi tester. Et puis, tant pis si c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire, on se confronte au marché. On a fait ça jusqu'à... on a commencé le premier coup de crayon en février 2010. Et en décembre 2015, on a livré la première Divine à un client. Donc, il s'est passé du temps. Hein. Donc, c'est une grosse machine. C'est comme une machine Nespresso, c'est un peu le principe. Hein. Alors, vous l'avez vu, certains l'ont essayé tout à l'heure. Oui. Et donc, ça fait à peu près 25 cm sur 25 à la base, à peu près 40 cm de haut. Tout est fabriqué... dans la région, en France, voilà, beaucoup dans la région. Et la machine, en une minute, elle va mettre votre vin à la température parfaite avec 3 heures de carafage. Donc elle va le refroidir, elle va le remonter, elle va l'aérer. Et la proposition de valeur, c'est le verre de vin parfait à la maison. Un seul verre, un verre de grand cru. Et ça permet de faire comme au restaurant chez soi, ce qui a beaucoup plu aux États-Unis. Hein. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu deux prix au CES de Las Vegas. C'est le côté convenience que les Américains ont beaucoup aimé. Mais on vend aussi aux professionnels. On l'a vu d'ailleurs, on a vu pas mal de photos de tweets chez aussi des cabinets d'avocats ou de recrutement. Et ils ont, ça donne un côté un peu sexy justement pour augmenter la communauté. Donc, voilà. Alors, bientôt chez les commissaires aux comptes. Exactement. Et d'ailleurs, on est suivi par le cabinet GEREC en termes de commissariat au compte. Donc voilà, je tiens à remercier Anthony. Ok. Non, c'est un vrai truc. D'ailleurs, c'est un petit message pour les commissaires au compte. Moi, j'avais un peu peur de ça en tant qu'entrepreneur, start-upper au départ. Mon avocate m'a dit écoute, là, tu es au maximum en termes de bilan d'activité, tu vas pas y couper. Tu vas passer du côté obscur, tu vas devoir avoir un commissaire au compte. Oh donc c'est ouais, alors je connaissais en fait, c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'informations là-dessus. Et alors je me suis aperçu de deux choses, c'est que d'une part c'était quand même hyper constructif pour nous aider à monter une marche en termes de structuration du business. Et ça, je trouve que c'est pas assez communiqué. Et le deuxième truc, c'est que c'était un super argument pour nos actionnaires, notre campagne de crowdfunding, parce que ça a beaucoup, beaucoup rassuré. Légitimé le projet. Exactement, les gens en se disant, finalement, les comptes, on voit, et ils ont été certifiés. Et en fait, c'était un super effet de levier. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'on gagnerait et que vous gagneriez pour les commissaires aux comptes à communiquer, peut-être là-dessus, en tout cas pour les entrepreneurs.
sur ces sujets-là. Et François, voilà. Non, on va lui demander de venir avec Denis Lesprit pour aller faire des négociations à la chancellerie. Alors, justement, la machine en plus, là, vous êtes en rupture de stock, vous en avez fait 500, c'est ça? C'est ça. C'est parti. Elles sont parties en 6 semaines, et donc on a eu un problème industriel, il y a eu un incendie en juin dans l'usine de production au sud de Nantes. Et donc, voilà, on a géré le problème, hein, ça fait partie des aléas. Le fait de fabriquer en local, ça nous a permis de réagir très vite, parce que la communauté, c'est là qu'on voit que la communauté et le collaboratif est important. On a été hyper surpris de tous les clients qui nous disaient comment est-ce qu'on peut vous aider, des gens qui n'étaient pas clients sur Facebook, de si vous avez besoin, on peut venir. Enfin voilà, c'est les gens se sont. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, voilà, des fois, c'est pas toujours utile. Des fois, c'est utile. Donc ça, c'était super. Et donc là, on a reproduit 1000 machines. On vient de commencer, donc, qui sont disponibles hein, sur stock, livrées en 48 heures sur le site. Mais ça date de quelques jours seulement. Et donc, on commence les Galeries Lafayette à Paris, l'hôtellerie, Singapour, donc, qui démarre assez fort, Londres. Et on retourne aux États-Unis avec la délégation Business France. Et donc, la prochaine levée de fonds, ça sera notamment pour aller à l'international, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et parce que c'est des aventures qui sont assez intensives en capitaux. Il y a un time to market qui est important. Et en même temps, quand ça tire. Un time to market. Ouais, c'est-à-dire que du coup, dès que le marché est là, il faut être prêt à accélérer. Et on sent qu'il y a vraiment des marchés où faut qu'on aille plus vite. D'où le fait de lever entre 5 et 10 millions d'euros l'an prochain. Morgane, vous aussi, vous allez vous lancer à l'international. C'est peut-être déjà à l'international, mon petit voisinage. Il y a une version américaine, suisse, allemande, je ne sais pas. Pas encore. Pour l'instant, on est ouvert sur certains pays francophones sans jamais l'avoir dit à personne. Donc on ne peut pas dire qu'on soit à l'international. On est ouvert au Québec, en Belgique. Ça n'existe pas ailleurs, par contre, le concept de mon petit voisinage. Il y a des choses qui existent. Qui ressemblent, quoi. Qui ressemblent. On a, par exemple, aux États-Unis, Nextdoor. Ce sont des réseaux de voisinage qui sont très en lien avec les commissariats de police. Oui, donc c'est sécurité. Là. Avec l'aspect très sécuritaire, très américain. Il y a des choses. D'accord. Et aujourd'hui, le modèle que vous proposez et ensuite la façon dont vous le présentez à travers votre plateforme, vous pensez que ça peut continuer comme ça pendant combien de temps? C'est-à-dire qu'on va continuer à faire grossir le voisinage pendant combien de temps? Il y a autant de voisins qu'il y a de personnes ou de populations existantes. C'est, on peut se démultiplier, puisque vous dites bien dans votre argument, c'est que, à la différence de certains qui ont des faux amis, vous, c'est des vrais voisins que vous proposez. Enfin, c'est des vrais gens, c'est quoi. Des vrais voisins, des vrais gens, des ouais. vrais objets, des vrais services, des vrais partages. Ouais. Oui. Et donc ça va grossir? Comment vous pensez? Nous, on pense que ça, il n'y a pas de raison pour que ça soit pas. Vous avez combien de voisins maintenant sur? On a 160 000 voisins, 160 000 inscrits. En décembre dernier, on était à 20 000, donc on est sur une croissance d'utilisateurs qui est très très forte. C'est parce que c'est gratuit? C'est parce que vous incitez au don, vous incitez à la location gracieuse, enfin oui, location gracieuse, C'est parce que c'est gratuit, c'est parce que c'est dans l'air du temps, c'est parce que ça correspond à, encore une fois, à un mode de vie vers lequel les gens veulent se tourner et qui les intrigue et qu'ils ont envie de tester. Ils disent, mon petit voisinage, je vais tester ça. C'est pour beaucoup de raisons, il n'y en a pas une en soi. Et le fait que ce soit gratuit, à la différence de votre voisin, parce qu'il y avait un côté assez cher, payant, voire un peu. Ça donne de la valeur. Vous, c'est parce que c'est pas parce que c'est gratuit ou parce qu'il y a certaines valeurs qui sont véhiculées à travers le site que ça intéresse et que vous avez de plus en plus de public, c'est ça, hein? L'aspect autour de l'entraide est primordial. Ouais. Même si sur mon petit voisinage, c'est chacun qui fixe ses propres règles du jeu, qui fixe son contrat. Quand vous allez vouloir partager un objet, par exemple, vous allez pouvoir choisir de le donner, de le prêter, de le louer ou de le vendre. Nous, on ne bloque pas. Par contre, en termes de design de service dans l'interface, on va inciter à de l'entraide. D'accord.
Antonin, comment vous réagissez par rapport à ces différents cas d'école, cas de figure? C'est pas que l'une des présentations avec multivoisinage est plus dans l'économie collaborative peut-être que celle de Thibault qui a une approche peut-être plus commerciale. Bon, pour autant, il y a des logiques comme ça qui se croisent dans la notion de confiance, encore une fois, qui est somme toute l'enjeu primordial de l'économie collaborative demain, quoi. Oui, alors, Thibault a expliqué aussi la dimension collaborative sur son service. Et puis, mon petit voisinage, c'est aussi une entreprise commerciale. Donc, je pense que c'est ce que ça interroge aussi, c'est le fait de mettre les choses dans des cases. Marchand, non marchand, for profit, non profit. On voit bien que aussi tous ces modèles réinterrogent la façon dont on avait. Dont on voyait habituellement l'économie et dont on classait ces différentes initiatives. Il y a beaucoup de collaboratifs dans plein d'entreprises commerciales et il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas du tout coopératives. Donc ce que moi je retiens, et je retiens aussi les initiatives et la façon dont certaines banques se réinventent et comment est-ce que ces initiatives aussi recréent de la dynamique en interne. Nous, c'est ce qu'on observe dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Au-delà du regain de croissance et des laboratoires que les modèles collaboratifs permettent, ça recrée de la motivation aussi en interne, parce que c'est de nouvelles initiatives, c'est de nouvelles marques, et c'est aussi, ça pique davantage sur le numérique. Donc c'est aussi ça qui est intéressant autour de tous ces modèles. Et pour conclure, accueillons Philippe Jolivet, président des commissaires aux comptes, compagnie CRCC de Rennes. Philippe, pour ceux qui ont besoin de prendre quelques notes rapidement, quelques points clés qui vous apparaissent intéressants à retenir, s'il y avait des choses à retenir, je ne sais pas. Oui, bah vous m'avez demandé de retenir 4 points, j'en ai retenu 4 plus 2 petits clins d'œil. D'accord. Le premier mot que j'ai entendu de la part d'Antonin, c'était le mot confiance. Et je l'ai retrouvé après sur le site de mon petit voisinage. On voit confiance un peu partout. Et nous, la confiance, évidemment, c'est notre mot d'ordre au niveau de la compagnie. Hein. On est des créateurs de confiance. Alors, j'aime pas trop le terme tiers de confiance. Quand on dit un tiers de confiance, on peut dire 2/3 de défiance. On n'aime pas trop. J'aime autant qu'on ait 100% de confiance. C'est quand même mieux, quoi. Ça c'est le premier point. Deuxième point que j'ai. Vous avez noté. Deuxième point que j'ai noté, c'est que c'est l'aspect blockchain où on parle de sûreté partagée avec des sources de données des bases de données qui vont être décentralisées. À partir du moment où on va avoir ce genre de commandes d'opérations qui vont rentrer dans nos procédures, dans la logique du contrôle de compte, etc. Il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant. Il va falloir qu'on anticipe et il va falloir qu'on se renseigne là-dessus, parce que aujourd'hui c'est pas du tout dans la culture, c'est pas du tout dans notre approche, donc il va falloir qu'on s'adapte, hein, c'est évident. Hein. Et puis également, j'imagine, les États-nations également, comme l'évoquait Antonin Léonard, parce que tout ça, bien sûr, est lié au mode de gouvernement, et de gouvernance. Hein. Le mode de gouvernance, évidemment, parce qu'une gouvernance horizontale, quand on doit communiquer avec la gouvernance, ça va être pas compliqué de parler avec tout le monde quand même. C'est clair. Troisième point, c'est sur notre aspect de RH et de recrutement. On a parlé de collaborateurs qui allaient avoir 7 métiers dans leur vie, qui allaient avoir 7 métiers en même temps. Si on a des collaborateurs qui ont 7 métiers en même temps, ça va être compliqué pour notre recrutement. Donc des slasheurs, il va falloir qu'on essaye de les cibler au sein de nos cabinets quand même. Hein. Et au niveau de la formation, on a parlé de MOOC tout à l'heure et de formation, ça, c'est une chose qu'il va falloir qu'on intègre également au niveau de notre évolution RH. Ensuite, j'ai noté la notation. Alors la notation, aujourd'hui, on est noté par notre H3C, notre cher H3C. J'ai compris que bientôt, il y allait y avoir un TripAdvisor des commissaires aux comptes, donc avec une notation et des étoiles sur Internet. Il va falloir qu'on s'y adapte et qu'on s'y prépare. Ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant, oui. Et dernier point. Alors, autre point que j'ai noté quand même, j'avais oublié. Impact au niveau de l'organisation. Il va falloir qu'on nous aide tous à embaucher donc, des community managers, d'après ce que j'ai dit au musée François Gégard. À quand la plateforme de CAC, pourquoi pas, plateforme collaborative de commissaires aux comptes qui vont travailler ensemble, qui vont s'échanger des biens. Je
te fais un audit, tu me fais une SAC, etc. Ouais. Après mon petit voisinage, mon petit commissaire au compte. Petit commissaire au compte. Non, je vous blague. Voilà. Merci à tous. Merci Philippe. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette quatrième rencontre de l'économie. Merci à l'équipe d'organisation de nous avoir fait confiance pour avoir mis en place cette journée thématique autour d'économie collaborative. J'espère que vous allez repartir avec plein d'idées en tête. Nouvelle dimension s'ouvre à nous. On y va. Belle aventure à tous. À bientôt. Merci.